on se retrouve pour une vidéo consacrée au tout nouveau trailer de Devil May Cry 5 qui vient de sortir à l'occasion de la Tokyo Game Show 2018. Parlons-en tout de suite. Devil May Cry. Alors la première chose plus que notable dans ce trailer, c'est la réconciliation que les joueurs vont avoir avec l'apparence de Dante. En effet, comme je le disais dans ma première vidéo, la mocheté de Dante a été expliquée. Il y a une théorie qui circule depuis pas mal de temps et elle a été presque confirmée par Capcom eux-mêmes, c'est que Dante, au tout début de Devil May Cry 4, revient des enfers. Et ça a été presque confirmé parce qu'en effet, dans la timeline, les Devil May Cry dans l'ordre, ça donne 3, 1, 4, 2, et donc 5. Le 2 précède le 5, à la fin du 2, Dante part en enfer et n'en revient jamais. Certes, dans la fin de Lucia, on a peut-être le moment où Dante revient, mais c'est loin d'être sûr. Et donc du coup, la mocheté de Dante est à peu près expliquée, parce que aussi à l'occasion du trailer du gameplay de Nero, à l'occasion de la Gamescom cette fois-ci, on avait eu un tout petit peu de cinématique de Dante nous montrant sa toute nouvelle arme, la moto, j'ai complètement oublié comment elle s'appelle, mais c'est stylé. Et dans ces images, le Dante était un peu moins moche. Et donc du coup, pourquoi il est pas soigné, pas beau, pas bien? C'est tout simplement parce qu'il revient des enfers, ses cheveux sont plus longs, sa barbe a poussé, mais on est réconcilié et de façon magnifique avec un Dante qui se rase grâce aux lames d'un démon. Est-ce que vous avez déjà vu un rasage plus classe qu'un mec qui se rase avec quelqu'un qui veut le buter? C'est génial, putain. Et donc Dante sera visiblement aussi amené à changer d'apparence, il va changer, je crois, de t-shirt, un peu de pantalon. Je suis pas sûr, mais je crois que son manteau va un peu changer aussi. Et ses cheveux seront un peu un mélange entre Devil May Cry 1 et Devil May Cry 2. Et selon moi, c'est un mélange parfait, parce que ce sont les deux meilleures coupes qu'on a eues. Certes, la coupe du 4 était pas trop mal, mais elle était vraiment pas ouf. Et donc voilà, l'apparence de Dante, bah, on est réconcilié avec. Elle est super bien, ce Dante est super stylé. Et je n'aurais strictement aucun problème à dire que, selon moi, c'est le Dante le plus classe qu'on ait vu dans un Devil May Cry. C'est peut-être dû au graphisme parce que je le mets à peu près sur le même piédestal que l'apparence de Dante dans Devil May Cry 2. Selon moi, l'apparence de Devil May Cry 2 est de loin la plus stylée. Passons maintenant au gameplay. On a eu un petit peu des bribes de cinématiques, notamment par rapport à la grand-mère ou le grand-père, j'ai pas fait gaffe à ça, pardon, par rapport à un ancêtre de Nico, parce que oui, celle qui conduit le van s'appelle Nico, et non pas, c'est pas Killian, comme je le pensais. Killian n'a toujours pas été montré à l'écran, et je trouve ça dommage. L'ancêtre de Nico serait celle qui aurait fait les armes un peu extravagantes de Dante, notamment Ebony et Ivory, et peut-être Coyote A, parce que... Mais ça me semblerait bizarre, parce que Coyote A, Dante il l'a trouvé en fait, il l'a pas fabriqué, il l'a pas acheté, il l'a juste trouvé dans un bar, tu vois. Et ça me semble bizarre d'ailleurs. Mais voilà, donc il y a un lien entre Dante et Nico. Peut-être que ce lien sera exploité, on verra bien. Ou alors peut-être que le fait que l'ancêtre de Nico ait un lien avec Dante servira le récit, ou au moins servira le fait que le flambeau sera passé à Nero, dans le fait que, genre, bah voilà, Nero sera fourni à la même enseigne que Dante. Et arrêtez de dire que Nero c'est un Dante-like, vous voyez bien quand même que Nero a une personnalité, c'est quelqu'un d'autre que Dante. Donc du coup je disais, un petit point aussi sur le gameplay, un petit truc qui m'a un peu dérangé, c'est que Rebellion semble avoir été un peu affiné, et je trouve ça bizarre, c'est assez perturbant, parce que Rebellion, bah, son truc c'est justement qu'elle est énorme, tu vois, et là elle me semble juste être une épée longue, elle me semble pas être une épée extravagante, juste une épée longue un peu bizarre. Mais en soi ce dérangement n'est pas très dérangeant en soi. Oui, c'est pas français. Non, c'est pas français non plus. Quand est-ce que je parle français? Et donc du coup, on a eu pas mal de nouvelles armes aussi. J'ai cru voir un Ifrit-like. On a des gantelets et des bottes, des jambières en feu. Et bah, la dernière fois qu'on a eu ça, c'était Ifrit. On a eu aussi Beowulf, on a eu aussi Gilgamesh. Mais là, ça ressemble vraiment très très fort à Ifrit. Avec aussi un petit peu de Gilgamesh, parce que j'ai cru voir un truc en feu dans le dos de Dante aussi.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la moto, on a Coyote A, on a Ebony et Ivory. Voilà, c'est super classe. Et à un moment dans le gameplay, je suis pas sûr, mais je crois avoir vu Dante manier Sparda. Je ne dirai pas pourquoi il manierait Sparda. Et ceux qui savent, je les invite à ne pas spoiler dans les commentaires parce que ce serait vraiment bâtard de votre part. Moi je le sais, de toute façon je m'en fous que spoiler pas dans les commentaires, vous gagnerez juste à vous faire supprimer votre commentaire. Donc du coup, justement par rapport à ça, oui, depuis ma dernière vidéo, il y a eu énormément de leaks, énormément de cinématiques qui ont fuité, énormément d'infos qui ont fuité. Je n'en tiendrai pas compte. J'ai vu ces cinématiques, j'ai vu un tout petit bout de cinématiques que très peu de personnes connaissent apparemment. J'ai vu pas mal de leaks et pourtant je me suis retenu d'en voir pas mal d'autres. Beaucoup de leaks sont présents sur internet, je vous invite à ne pas les chercher pour ne pas vous gâcher le plaisir. Personnellement, j'ai vu ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'une fois face au jeu, ça me gâche un peu le plaisir. Donc qu'est-ce qu'on voit d'autre de nouveau dans ce trailer? Eh bien on voit Lady Ettrich, même si Lady passe vachement à la trappe. En fait, Lady Ettrich sont un peu cantonnées dans leur rôle de personnage féminin depuis le 4, j'ai l'impression. Parce qu'elles ne servent pas à grand-chose, quoi. Le 4, les personnages... Dans le 4, les personnages féminins ont vraiment un rôle de merde. Killie, c'était la femme en détresse. Trish, on la voit très peu. Et Lady... elle est pas là. Lady, c'est celle qui leur a amené le boulot, c'est celle qui leur a amené le contrat, c'est celle qui les a payés. Et elle est pas là. On la voit juste un tout petit peu dans une cinématique de fin qui a été rajoutée après dans la Special Edition de Devil May Cry 4. Mais, bah, on s'en fout, c'est tout. Si elle était là, pourquoi elle n'a pas agi? Pourquoi elle n'a pas servi à quelque chose? À l'extrême limite, Trish, elle a servi un petit peu pour Credo, tout ça. On l'a vu un petit peu à ce moment-là. Elle a aussi servi d'appât en tant que Gloria. Mais voilà, ça se limite à ça. Elle n'a pas été très utile, Trish. Et là, pareil, dans ce trailer, on voit un peu Lady et Trish qui ont l'air, j'espère, d'avoir un rôle un peu plus important, mais ça reste très secondaire. J'aimerais que Lady et Trish aient un rôle plus important dans Devil May Cry 5. Elle mérite d'être approfondie. Trish était très importante dans Devil May Cry 1. Lady était encore plus importante dans Devil May Cry 3. Et je trouve ça aussi dommage que Lucia ne soit pas incorporée, parce que même si c'est une Trish-like, elle a quand même son importance et sa profondeur. J'aimerais bien la revoir. Et ensuite, une dernière chose par rapport à ce trailer, c'est enfin l'apparition de V, le troisième personnage jouable apparemment. Alors j'ai entendu des leaks à propos de lui, si vous ne voulez pas les entendre, partez au timer que je vous indique sur la vidéo. J'espère que vous l'avez fait parce que je vais balancer. Alors V s'appellerait V-Tail, c'est ce que j'ai vu dans certains... Pas leak, mais plus des théories, mais ça me semble assez valable qu'il s'appelle V-Tail, et c'est pas un nom qui me dérange. Ce qui me dérange déjà, c'est sa gueule. Il n'a pas les cheveux blancs, c'est pas un semi-démon. Il a un pif, mon gars, il fait la taille de mon pied. Il lit des livres, il a une canne. C'est pas un combattant. Les leaks dont j'ai entendu parler, ce serait que lui, il invoque des démons. Il apporterait une nouvelle dynamique au combat de Devil May Cry. Mais les mecs, on veut pas d'une nouvelle dynamique, on veut juste jouer. On est très bien dans notre Devil May Cry, pourquoi vous voulez instaurer une nouvelle dynamique? C'est très bien de se battre à l'épée et au flingue. Si vous vouliez instaurer une nouvelle dynamique, instaurez des nouveaux combos. Il n'y a pas besoin de nous amener un mec qui invoque des démons, on s'en branle. Mais totalement. À la limite, V-Tail peut être un personnage très intéressant, pour le peu que j'ai vu, il a l'air... plutôt mystérieux, Dante a l'air de lui faire confiance, je n'en parlerai pas parce que ça vient d'un leak, mais voilà, V-Tail a l'air d'être un personnage assez important, qui sera assez important, ce sera un des trois personnages principaux, et ça m'écœure un peu, parce que, ça m'écœure pas parce que genre, voilà, c'est pas un semi-démon, mais si les trois personnages jouables sont Nero, Dante et V-Tail, il est où Vergil? Parce que Vergil, c'est clair, il sera là. Je l'ai vu dans les leaks, et désolé, je spoil, mais vous aviez qu'à aller au timer. Vergil sera là, je l'ai vu dans les leaks, et je l'ai vu dans une analyse image par image, ce serait... Alors, soit Vergil corrompu, soit Vergil avec des séquelles de la corruption, parce qu'on voit quand même sa gueule, elle est assez arrangée, mais on voit son manteau, c'est la même tronche que dans Devil May Cry 3 et dans Devil May Cry 4,
Clairement, c'est Virgil qui a arraché le bras de Nero. Y a aucun doute sur ça. Et donc voilà, si Vitae prend une place aussi importante, quelle place pour Virgil ? Virgil, non jouable ? Je ne veux pas de ça. Virgil, c'est juste l'un des meilleurs personnages de Devil May Cry. Je le place juste en dessous de Dante, en dessous d'un Nero. Parce que je préfère quand même Dante à Nero. Donc, soit il n'est pas jouable et je suis extrêmement déçu, soit il n'est pas jouable, mais son histoire compense tellement elle sera profonde et intéressante, soit il est jouable, et on a 4 personnages jouables sur 31 missions, ça va être chaud. Et donc du coup voilà, fin du spoil, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce premier trailer de Dante, j'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère qu'on verra plus que ça. Maintenant on va passer à d'autres sujets, notamment la musique. Alors, la musique de Dante, Human Machin, Half Human, je sais plus trop quoi, Damn Human, je sais plus, enfin bref, il y a Human dedans. Internet est unanime, c'est nul à chier. C'est pas une mauvaise musique en soi, ça peut plaire à un certain type de personne. Cependant, même moi qui suis métalleux, je l'ai pas aimé. Mais j'ai pas aimé du tout, un mec qui crache ses tripes pendant 5 minutes, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça a déplu ? Non pas parce que c'est une musique qui plaît à peu de personnes, mais parce que c'est une musique qui ne correspond pas à Dante. Je pourrais faire le même reproche à Devil Trigger, parce que ce n'est pas une musique de métal, c'est plus une musique de pop qu'autre chose. Je n'aime pas Devil Trigger, et je sais que je vais pas me faire que des amis, mais selon moi, il ne correspond pas vraiment à Nero, parce que Nero a beau être différent de Dante et Virgil, on l'a su grâce à Shall Never Surrender, qui est très différent d'un Devil's Never Cry ou d'un Lock and Load, mais c'est pas une raison pour nous sortir Devil Trigger. Devil Trigger, ça ne correspond pas à l'image qu'on a eue de Nero dans le 4. Peut-être qu'il a changé, allez, pourquoi pas donner une nouvelle dynamique au personnage. J'accepte, Devil Trigger est assez proche de l'esprit Nero pour que ça lui colle à peu près, même si je ne l'aime pas, je suis prêt à l'accepter. Or, la musique de Dante, certes, les musiques de Dante sont beaucoup plus hardcore, comme je parlais de Lock and Load et de Devil's Never Cry, qui est certainement la musique qui a le plus marché pour Dante. Encore maintenant, je l'écoute et je kiffe ma race. Cependant, cette musique, elle est beaucoup plus hardcore, beaucoup plus trash. Elle ne correspond pas à Dante. Donc du coup, cette musique ne lui correspond pas parce qu'elle est beaucoup trop trash, elle est beaucoup trop hardcore. C'est pas une raison pour ne pas aimer la musique en soi. La musique toute seule va. Le problème, c'est qu'on essaie de l'incorporer dans un milieu qui ne lui va pas, c'est-à-dire Devil May Cry. Et encore un truc qui me dérange, hein. Vous allez dire que je suis très chiant avec ça, mais elle irait très bien, hein, dans DMC Devil May Cry. Je n'aime pas ça. Il y a eu un article où Itsuno disait que ils avaient tiré des leçons de DMC Devil May Cry. Pas en négatif, c'est-à-dire qu'ils avaient pris des leçons qu'ils avaient tirées de DMC Devil May Cry, en positif de ce qu'on avait aimé de DMC Devil May Cry. Alors déjà, il n'y a pas grand-chose qu'on a aimé de DMC Devil May Cry. Il y en a qui disent qu'ils ont aimé le gameplay. Les gars, vous avez aimé le gameplay parce qu'il était simple, mais quelque chose de simple n'est pas forcément bon. Et donc du coup, c'était pareil, dans DMC Devil May Cry, les musiques étaient très très trash, les mecs se défonçaient les tripes, à la fin on voyait dans le générique les mecs qui chantaient et on comprenait direct à quel genre de bourre on avait affaire. Ils sont dans leur délire, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, mais c'est pas du Devil May Cry, c'est du DMC Devil May Cry. DMC Devil May Cry s'est créé une identité à partir de ces musiques ultra hardcore, ultra trash. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, pour toutes les erreurs de DMC Devil May Cry, on avait à peu près le droit de râler, mais c'était pas non plus trop grave, parce que c'était un reboot, ça faisait pas partie de la série originale. Or, cette fois-ci, Devil May Cry 5 fera partie de la série originale, et là, ça me dérangerait qu'il fasse un faux pas. DMC Devil May Cry, je l'ai toujours, je l'ai platiné, j'ai aimé ce jeu. Mais je ne l'ai pas aimé en tant que Devil May Cry, je l'ai aimé en tant que standalone. Il ne fait pas partie de la série originale. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la musique. Internet est unanime, on n'aime pas cette musique. Alors, je vais faire deux demandes, hein, une en français, une en anglais, s'il faut, j'en ai rien à foutre. Mais s'il vous plaît, choisissez un autre groupe pour faire la musique de Devil May Cry 4. Non pas que je n'aime pas ce groupe, mais ce groupe ne correspond pas à Devil May Cry 4. Et oui, je vais le faire. Please, Itsuno, choose another band.
to make the OST of Devil May Cry 5, because this band doesn't correspond to Devil May Cry 5 or any Devil May Cry. Eh, t'as vu, avec son anglais de qualité, si si. Donc quelques points un peu plus généraux maintenant, avec tout ce qu'on a appris sur Devil May Cry 5, je vais pouvoir faire pas mal de temps de vidéo, je pense. J'ai notamment aussi appris des trucs sur Devil May Cry tout court. Un petit point aussi sur les armes de Nero. Vous aurez sûrement remarqué que Blue Rose et Red Queen sont largement différentes de ce qu'elles étaient pendant Devil May Cry 4. Il faut savoir que Devil May Cry 4 c'est 10 ans avant. Hein. Alors, pourquoi elles sont si différentes? Selon moi, c'est parce que, bah, soit Nero, soit Nico les a modifiées, tout ça, oui, pourquoi pas, les armes de Dante aussi, elles changent entre deux, hein. À part Ebony et Ivory qui restent les mêmes, mais voilà, tu peux pas faire grand changement à Ebony et Ivory, même si les Ebony et Ivory de DMC Devil May Cry étaient très classe. Et donc ces petits changements peuvent sembler anodins. Cependant, il est apparu dans le scénario original de Devil May Cry 4, quand Nero se fait absorber par le sauveur, Red Queen et Blue Rose fondent et il se bat contre Sanctus uniquement avec Yamato. Red Queen et Blue Rose n'existent plus à la fin de Devil May Cry 4. Et donc, peut-être que dans cet épisode, ça va être changé. Mais ça va être extrêmement compliqué parce que, on est d'accord, et j'ai re-regardé, dans les cinématiques, dans les faits, Nero possède encore au moins Red Queen au moment de l'affrontement contre Sanctus. Donc voilà, je sais pas trop comment ils vont gérer ça, je sais même pas si ce sera expliqué, c'est juste un petit point comme ça. Autre chose qui me déçoit énormément, j'en suis très triste, je vais finir par m'y habituer hein, sûrement, parce que le jeu a l'air pas mal non plus, mais le Devil Breaker a l'air d'être permanent. Voilà, mon rêve, et j'en ai discuté avec un mec dans les commentaires de ma dernière vidéo, ce serait que Nero retrouve son bras, son Devil Bringer, et qu'il le remette comme ça, parce que oui, on est dans Devil May Cry, tout est possible, hein. Nero il a réassemblé une arme légendaire sans même la toucher, donc pourquoi il pourrait pas remettre son bras, tu vois, si on part de ce principe-là, on peut faire ce qu'on veut. Donc ce serait que Nero retrouve son bras et qu'il le remette et qu'il dise genre « Yeah, this one suits me better ». Et que, bah voilà, il fasse le combat final avec le Devil Bringer, avec ce qui le définit, ce qui le rend unique, ce qui fait de lui ce qu'il est. Et, enfin, je ne dis pas non plus que sans son Devil Bringer, il n'est rien, parce que, voilà, ça reste Nero. Mais le Devil Bringer, c'est vraiment la figure de Nero, c'est sur la jaquette du jeu, Nero, il est comme ça, tu vois, c'est limite plus important que l'arrivée du personnage, c'est super bien, le Devil Bringer. Et le problème que les gens soulèvent en général, c'est « Ouais, mais comment il ferait tous les gadgets créés avec les Devil Breaker ?» Et alors, les Devil Breaker, ils sont pas alimentés tout seuls, hein? Tu crois vraiment qu'ils pourraient lancer un laser comme ça avec une batterie interne? Si c'est le cas, déjà, je vais crier au scandale, parce que c'est complètement con, hein? On est peut-être dans Devil May Cry, mais il y a un minimum de physique. Mais les flingues de Dante peuvent tirer des balles à l'infini. Ils tirent de l'énergie démoniaque, les flingues de Dante. Oui, ils peuvent tirer des balles aussi. Disons qu'ils sont mystérieux, mais Dante n'a jamais eu besoin de les recharger. Et c'est pas une question de cohérence, parce que Lady, elle recharge ses armes. C'est juste que Ebony et Ivory n'ont pas besoin d'être rechargés, parce qu'ils sont alimentés par l'énergie de Dante. Et donc, du coup, ce que je pense, c'est qu'il pourrait récupérer son bras, et que Nico lui fasse plein de modifications, lui incorpore plein de gadgets et tout, genre un truc qui, tu vois, qui est dans sa manche, et qui arrive sur son bras pour que son bras l'alimente, parce que son bras, en général, ça a toujours été un portail entre son corps et l'énergie démoniaque qu'il matérialise. C'est comme ça justement qu'il a réussi à absorber Yamato et sa puissance, il l'a mis dans son bras. Et pareil pour un item qu'on trouve dans Devil May Cry 4, enfin presque tous les items qu'on trouve dans Devil May Cry 4, ça expliquait un peu où Dante fourrait tous ses items, quoi. Parce qu'en général il est sorti du cul de l'enfer. On a compris hein, que genre il les a amenés en lui et qu'il les matérialisait. Mais avec Nero, c'était encore plus flagrant et c'était classe. Et donc, ce serait pas mal qu'il récupère son Devil Bringer et qu'il il fasse tout comme avec Nico, tu vois, qui tire des lasers, qui fasse toutes ces conneries, tout ça. Ça marche très bien comme ça. Je veux juste qu'il n'ait plus ce Devil Breaker. Parce que, qu'on se mette d'accord, les Devil Breaker, ils ne ressemblent à rien, ils sont moches. Il y a du design derrière. Ils sont beaux en soi. Dans Metal Gear Rising, c'est pas du Devil May Cry. Ça ne ressemble pas à une arme démoniaque, c'est pas une arme démoniaque. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour changer et tout.
déjà, le changement, arrêtez avec ça. J'ai l'impression que le changement, c'est genre, c'est devenu le truc numéro un. Puis si t'aimes pas le changement, c'est que t'es qu'un conservationniste. Ta gueule, au pire, ta gueule. C'est pas parce qu'on n'aime pas le changement qu'on est un conservationniste. On peut aimer le changement, mais le mauvais changement, bah ça reste un mauvais changement. Selon moi, un bon changement, c'est un changement qui ne touche pas ou touche très peu, voire améliore, l'âme du jeu. Et pour l'instant, l'âme des Devil May Cry, c'est les armes démoniaques, c'est un peu l'aspect féodal, tout ça. Et à quel moment tu vois une arme démoniaque dans le Devil Breaker? C'est pas une arme démoniaque ce truc, c'est un truc de Metal Gear. Donc non, je n'aime pas le Devil Breaker et pour moi ça reste un gros point en moins pour Devil May Cry 5. Un petit truc dont je n'ai pas parlé aussi, c'est l'arrivée de Morrison. Alors, Morrison en soi, je m'en fous. Voilà, il est là, c'est très bien. Dans l'animé Devil May Cry, il est très bon comme personnage, il est discret tout en étant utile. Voilà, j'aime bien le personnage de Morrison. Alors, on va clarifier un truc. Vous, les fans de Devil May Cry, j'en fais partie, hein. Mais il y a une extrême majorité des fans de Devil May Cry qui ne comprend pas le terme canon. Alors, quelque chose de canon, c'est quelque chose qui a été validé comme faisant partie de l'histoire intégralement. Ce n'est pas parce que quelque chose peut être incorporé dans l'histoire qu'elle l'est. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je parle des light novels, des deux mangas, de l'animé, de tous les produits dérivés qu'il y a à côté de Devil May Cry. Certes, ils peuvent tous être incorporés dans l'histoire, sans exception. L'animé Devil May Cry, aucun problème, de toute façon on n'a aucune indication de temps, ça doit se passer entre le 1 et le 4. Les light novels, d'après ce que j'ai compris, ça se passe avant le 3, dans une période qu'on n'a jamais connue. Pareil pour les mangas. Ça peut très bien être placé dans l'histoire, ça correspond à l'histoire, ça explique des trucs sur l'histoire. Mais ce ne sont que des produits dérivés, ça n'a jamais été déclaré comme étant canon. Donc ça ne l'est pas. Et comme preuve, la preuve vous l'avez là. C'est comme l'histoire de Broly, hein, je reviens sur ça, mais c'est juste le truc qui a expliqué le terme de canon sur internet. L'histoire de Broly, c'est que bah l'ancien Broly était pas canon et c'est pour ça qu'ils vont refaire un film avec un nouveau Broly pour le canoniser. Voilà, fin du game. Et là c'est exactement pareil. L'animé, il est pas canon. Ils vont canoniser non pas l'animé, mais le personnage de Morrison. Et Morrison, comme preuve qu'il apporte avec lui, il est noir. Morrison, dans l'animé, il est blond, blanc aux yeux bleus. Je sais plus exactement s'il a les yeux bleus, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Il ressemble un peu à Achille. C'est clairement le chara-design de Achille dans Assassin's Creed 3. Donc, Morrison est noir, tout simplement. C'est tout. Fin du game. C'est pas le même Morrison. Il a la même fonction, c'est peut-être le même personnage, il a peut-être le même caractère, mais c'est pas le même que dans l'animé. Ce qui veut dire qu'il y a une volonté de ne pas canoniser l'animé. Pourquoi ils font ça? Pour éviter les conneries du genre la rencontre de Lady Etrich qui va peut-être être expliquée dans Devil May Cry 5, mais au pire on s'en fout de ça. Comme je l'ai précisé, hein, la rencontre entre Lady Etrich, j'ai eu des conversations avec des anglophones sur le sujet, on s'en fout de la rencontre entre Lady Etrich, voilà, ils se sont rencontrés à un moment, c'est tout. Et donc c'est pour éviter ce genre de problème, et notamment aussi les problèmes avec Patty Royale. Parce qu'on est d'accord que Patty Royale, elle est casse-couille cette fille, elle passe son temps à beugler et elle sert à rien. Il n'y a qu'à la fin qu'elle a servi à quelque chose, et encore, je vois pas pourquoi elle aurait pu servir à quelque chose si le Dante qu'on a dans l'animé avait été le Dante qu'on a dans les jeux. Parce qu'à aucun moment Dante il se serait fait baiser par un petit démon comme cette merde là. Dante il a défoncé le démon ultime, pourquoi il se serait fait baiser comme ça? Enfin bref, l'animé a fait un peu ce qu'il voulait avec le scénario et je trouve vraiment que l'animé est très bon, niveau qualité il est pas ouf. Voilà, je le regarde parce que c'est Devil May Cry, mais il est pas génial. Enfin bref, ce que je veux dire par ce terme de canon, pas canon, c'est que c'est pas parce que quelque chose peut être inséré dans la continuité de l'œuvre que ça l'est. C'est pareil pour le film avec Bardock, par exemple. Le film avec Bardock, il peut parfaitement être instauré dans la continuité de Dragon Ball Z. Beaucoup considèrent qu'il l'est, mais non, il ne l'est pas, il pourrait l'être. Genre si demain Akira Toriyama dit le TV spécial sur Bardock il est canon, ok, aucun problème, ça ne pose aucun problème de cohérence, les personnages sont canons, Bardock a déjà de toute façon été annoncé mais son histoire n'a pas été validée, ça ne pose strictement aucun problème, pourquoi pas. Et c'est pareil pour l'animé,
pourquoi pas, ça pourrait être canonisé aussi, même si je n'aime pas l'animé. Mais ça pourrait être canonisé aussi, ça canoniserait aussi le personnage de Patty Royale, mais on fait avec. Et ça canoniserait la rencontre entre Lady Ettrich, tout ça. Les light novels pourraient être canonisées elles aussi, le Dante mercenaire qui ne s'assume pas totalement. Enfin bref, à peu près tous les produits dérivés à côté des jeux des Devil May Cry pourraient être canonisés. Mais c'est pas pour autant qu'ils le sont. Alors arrêtez de me péter les burnes dans les commentaires sur les forums et sur Facebook à me dire « Oui, non mais ça c'est arrivé !» Non, ce n'est pas arrivé, ce n'est jamais arrivé. C'est comme... Je reprends encore l'exemple de Dragon Ball Z, hein, mais c'est comme Hachiak, Bojack, Broly, tout ça, ce n'est jamais arrivé. Comme dit le chef, c'est juste le petit bonbon qu'on t'offre en complément, tu vois. Ça ne sert à rien, ce n'est pas là, ça n'existe pas. Donc voilà. Petit point également à propos de Lady et Trish. Alors j'ai pas grand chose à dire sur Lady parce qu'on l'a pas beaucoup vue. Trish a changé de chara-design et j'aime beaucoup, elle est beaucoup plus jolie comme ça. Elle fait moins biatch, tu vois, elle fait plus jolie femme. Même si... On est d'accord, maintenant c'est plus un haut qu'elle a, c'est un soutien-gorge, quoi. C'est bientôt elle aura juste un bout de tissu pour cacher ses tétons, quoi. C'est à ce moment-là que tu vois que Devil May Cry c'est japonais, quoi. Enfin bref, Lady et Trish sont là, ça fait plaisir. Alors un petit point aussi sur les Devil Breaker, outre le fait que ça me dérange que je ne les aime pas, il y a un truc qu'ils ont fait que je n'aime pas non plus. Il y a certains Devil Breaker qui lancent des choses et t'es obligé de viser avec. On vise pas dans un beat'em up. Pour reprendre le joueur du grenier, c'est pas illégal, mais c'est comme enculer sa cousine, ça ne se fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on ne vise pas dans un beat'em up. Un beat'em up, c'est nerveux, on n'est pas censé se faire chier à viser. Et les seuls qui pourront avoir un gameplay nerveux en visant, ce sera les pro-gamers, tu vois. Mais moi, je suis un joueur PC, je sais plus viser avec une manette. Et je ne comprends pas ceux qui jouent avec un clavier et une souris à Devil May Cry. Il y a un moment, il faut régler vos problèmes familiaux, les mecs. Un autre point aussi. Oui, je reviens pas mal sur le trailer, parce qu'en fait, je suis en train de le re-regarder pour me souvenir de ce dont je n'ai pas parlé. C'est la vision, la nouvelle vision qu'on a, du Devil Trigger de Dante. Le Devil Trigger a encore été modifié. C'est une espèce de mélange entre le Devil Trigger de Devil May Cry 2, même si c'est un peu un genre 10% Devil May Cry 2, 90% Devil May Cry 4. Il y ressemble pratiquement à 100%. Et donc le petit plus qu'on a, un truc qu'ils avaient oublié dans Devil May Cry 4 et qui m'a assez déçu, j'avoue, cette fois-ci Dante a des ailes. C'est très classe et j'espère qu'elles seront un peu plus exploitées que dans les derniers épisodes, parce que voler 10 secondes, ça m'intéresse pas. Et donc voilà, cette vidéo, je pense, a duré bien assez longtemps. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Je serais très content de débattre avec vous. J'ai déjà débattu très calmement du Devil Breaker avec des anglophones, avec des français, n'importe qui. Je prends cet exemple parce que le Devil Breaker, c'est ce qui m'énerve le plus. Dans Devil May Cry 5. Donc, si je suis capable de parler calmement du Devil Breaker, on peut parfaitement parler de n'importe quoi sans que je m'énerve. Le seul truc qui m'énervera, c'est votre attitude. Voilà, c'est tout. Tout dépend de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aidera à me faire connaître. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur Devil May Cry, et sûrement très probablement sur la vidéo que je suis censé sortir depuis au moins une ou deux semaines, mais que j'ai la flemme de la sortir. Wow!